Bonjour à tous. Aujourd'hui, Nathalie, j'aimerais que tu ailles regarder que se passe-t-il quand on va voter. Un jour, un espèce d'enfermement, tu sais, comme si les gens, et je les voyais en accéléré pour aller déposer, c'est vraiment ça. On dirait des. Alors, déjà, c'est des robots, et puis je les vois tous habillés pareil. Tous les gens, je les vois tous habillés pareil. Ils ont tous la même couleur. Alors, ils sont peut-être pas habillés pareil, mais ils ont. Je ne suis pas capable de dire. Pour moi, ils sont tous de la même couleur. Un espèce de gris beige. Ils ont à peu près tous la même forme. Et en fait, ils arrivent de partout. Et au fur et à mesure, bah, ça s'accélère et pouf, et pouf, et pouf, et pouf. OK. Bah, pour moi, j'entends programmation de la matrice à 1000%. C'est que de la programmation de la matrice. C'est quelqu'un au niveau de la matrice, de ceux qui tirent les ficelles, qui a dit que tu devais voter pour quelqu'un. Donc, c'est tu signes ton abnégation. Et tu t'en remets à. En tout cas, de ce que me présente, de ce que j'observe. Si tu en observes un, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans ses corps subtils, peut-être même dans son corps physique d'ailleurs? Et ben, moi, je vois qu'il répond à un programme. Je le trouve un peu lobotomisé sur les bords. Il répond à un programme. Il répond à un programme parce que le système de vote mondialement, hein, je ne vois pas la différence, est un programme de la matrice. C'est, en fait, si tu veux, à chaque fois que les gens déposent le truc, avec cette petite enveloppe, l'enveloppe est comme accompagnée dans une espèce de. Tu vois les étoiles filantes, t'as l'étoile, et puis derrière, quand tu la dessines, tu dessines un truc qui suit. Eh bien, l'enveloppe que tu mets, derrière est accroché ça qui appartient à la personne. Et ça, c'est pour tous les gens. Et donc, on va dire que les papiers, ce qui est écrit dessus, ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, tout ce qui est mis, qui était accroché à l'enveloppe, qui est plus ou moins gros selon les personnes. Parce qu'il y en a, ce truc-là, il est plein d'attentes, plein d'émotionnel et tout ça. Alors c'est énorme chez certains. Je trouve que c'est tellement énorme que j'ai l'impression que ça ne va pas rentrer dans l'urne. C'est ça qui récupère. Ils se nourrissent de ça, en fait. Ah oui. Et toi, la personne qui a mis ça là-dedans, dans l'urne, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que ça lui enlève, en fait? Je vois surtout que ça crée un attachement. Ah. Ça crée une an, il y a une an qui a été posée. Et puis alors, il y en a certains, mais ils en ont plein en fait. C'est une reliance. Non seulement ils ont déposé quelque chose, mais c'est comme si, comme il y a aussi des liens qui sont, ces liens en question permettaient d'appuyer sur des endroits. Comme des rappels à l'ordre. N'oublie pas que tu dois voter. N'oublie pas que tu dois voter. N'oublie pas que tu dois amener ta petite enveloppe avec son lot de trucs. Ben Ah, ça. c'est des nourritures, hein, c'est. Ben, doit y en Il avoir y dedans. a. Je vois comme si après ils allaient classer les types de nourriture, parce que je trouve qu'il y a plusieurs types. Tout ce qui est accroché à l'enveloppe en question, bah certains, c'est à peu près un seul type de, je dirais, d'émotion ou de. Et puis d'autres, ça a plein de facettes. Comme si certains. Mais ça, c'est ceux qui s'en remettent, tu vois, au grand état. Le grand état résout tout chez moi. Tout. Il peut prendre en charge tout. Alors là, bah, du coup, le truc, il est.
Si je l'observe de près, je trouve qu'il y a différentes structures dans l'espèce d'halo qui est accroché au bulletin. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui y vont et qui se coupent après? Oui, Il y en mais a, il y en a quand pas même pas, beaucoup, pas pas beaucoup. beaucoup. Pas beaucoup parce que j'ai envie de dire que ceux qui sont susceptibles de se couper, ben, je ne les vois pas aller voter. Alors, Ah oui, d'accord. ceux qui votent, y compris les bulletins blancs, parce que les bulletins blancs, je vois que le halo, il est certain, il est énorme. Et là, c'est plein de colère, c'est ouais, de toute façon, vous êtes tous les mêmes, tous des CON, aucun respect pour nous, aucune écoute. Alors là, c'est un... C'est ça que j'en veux. Voilà, ben, ça, c'est pareil. C'est, si tu veux, je vois quasiment aucun bulletin de vote blanc où, en fait, c'est neutre. C'est pas neutre. C'est de la colère, c'est de la rancœur, c'est limite, c'est de l'insulte, c'est, tu vois, c'est de la haine, ou c'est de l'apitoiement, ou de toute façon, on n'a jamais été écouté. Voilà, c'est des idées fixes qui tournent en boucle. Ouais, de toute façon, c'est tous les mêmes. Tia, 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 tia. Donc, j'arrive pas à voir dans ceux qui votent. Parce que, ouais, je... Mais parce que le système de vote qui est proposé est extrêmement malsain. Hein. C'est ça le truc. Hein. Bah, en fait, t'imagines la personne qui a 80 ans qui a été votée chaque fois, et ben en fait elle est reliée à des trucs énormes. Oui. Alors, je vois qu'il y a certains liens qui ne sont plus trop actifs, tu vois. C'est plus trop actif. Mais d'autres, c'est ouais, c'est entretenu, en fait. C'est entretenu par, ben, par ces entités qui tirent les ficelles, puis par des égrégores, par... Et est-ce que tu peux donner un petit conseil aux gens qui vont voter, comment ils peuvent se délester de tous ces liens? Ben, ils font des purges. Ils font des purges. Ils sont obligés de faire ça. Et en fait, ils font des prises en charge. L'idée, c'est de... Parce que, à la limite, j'ai envie de dire, pourquoi pas aller voter? En vrai, c'est comme... je veux dire, je ne sais pas, moi, tu sais comment la matrice fonctionne, tu sais que les frites de McDo, c'est de la MERVE, mais si tu en manges en vrai, de temps en temps, ça va pas te tuer. Tu vois, tu peux faire un travail. Donc, pour moi, pour l'histoire du vote, finalement, c'est la même chose. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup trop d'attentes. En fait, le problème du vote, c'est que c'est relié à une attente d'un sauveur extérieur. Moi, c'est ça que je vois principalement. C'est ça principalement. Donc, il y a ça qui a changé en vrai, déjà. Et du coup, si on n'est plus dans cette dynamique-là, alors du coup, bah, ceux qui mettent ça en place, ça va déjà être beaucoup plus difficile à mettre en place. Il y a la, il y a la... Je vois la Russie, en fait, qui m'apparaît, et je vois le peuple. Je vois le peuple là. Et ben, c'est comme si le peuple, de ce que je voyais, c'est un peuple entre les conditions climatiques, ce qu'ils ont subi quand ils étaient sous le régime de l'URSS qui n'était pas forcément cool, etc., etc. C'est des gens, ils se prennent en charge. De ce que j'observe, je trouve qu'ils se prennent en charge. Du coup, ben, en haut, forcément, c'est différent. Il y a une connexion entre celui qui est en haut et son peuple.
parce que le peuple se prend en charge. De ce que j'observe, Mmh. trouve qu'ils ne sont pas en train de se dire bon, ben, lui, il va résoudre tous nos problèmes. Je ne les vois pas en train de se dire ça. Je les vois, tu vois, je les vois s'affairer, je les vois se remonter les manches, je les vois, je ne sais pas, je les vois aller au champ, je les vois cultiver la terre, voilà, je vois ça. Donc, y a 100 fois moins. Y a pas toutes les attentes que nous, on a mis. C'est nos attentes, c'est nos pensées, c'est nos attentes. C'est vraiment la croyance du sauveur ultime. On est toujours D'accord. là-dedans, globalement. Donc, ben forcément, n'importe qui se présente en disant moi, ah ben ok, c'est le bon, hein. Oh, il a un bon look, c'est le gendre idéal, il dit des gentils mots, allez hop, on le prend. Et la tendance, elle est pas encore à s'inverser là. Elle s'inverse, à savoir que ceux qui sont plus là-dedans, ben, en fait, ceux-là, ils ont arrêté de voter parce qu'ils n'avaient plus envie de nourrir le système. Voilà. Mais il y en a encore trop qui sont. Moi, je vois beaucoup trop de gens dans l'attente du sauveur. Oui, c'est. Voilà. Moi, c'est ça que je vois, l'attente du sauveur. Alors, qui peut être là, mais qui peut être venu du ciel ou non, je ne sais pas où, hein, en vrai. Non, ouais, mais ça, tant qu'on s'en remet à l'attente du sauveur, eh ben, on va voir des sauveurs vont se présenter de différentes casquettes. Ils vont. C'est comme si on les mettait sur le trône, puis finalement, ben, c'est des CON. Alors, bon, allez, dégage, ben, ils vont faire leurs petites affaires ailleurs, de toute façon, ils s'en foutent. Et puis ben, on prend un autre qu'on va aussi traiter de CON, et puis parce qu'on est dans cette attente. Et l'attente du sauveur ne peut amener que des soi-disant sauveurs. Des sauveurs. Le sauveur, sauveur. D'accord. Alors, Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à, encore à rajouter? Non. Non? Notre sauveur, il est en nous. Nous sommes notre sauveur. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé. Vous pouvez commenter, partager, liker. Merci. Au revoir.